Bonjour, bienvenue sur netprof.fr dans cette neuvième vidéo d'apprentissage du logiciel EBPPGI 4.0. Nous allons aborder comment réaliser une commande à un fournisseur. Alors, pour réaliser une commande à un fournisseur, nous avons trois possibilités d'accès au menu. Le premier accès, c'est de prendre le volet navigation, hein, l'espace navigation, et de cliquer sur commande. Le deuxième, c'est de prendre la barre de menu, d'aller dans achat, achat et commande. Troisième possibilité, c'est d'aller directement dans la partie fournisseur document d'achat et de cliquer dessus. À partir de là, il va me présenter à l'écran l'ensemble des documents d'achat. Bien entendu, je n'ai aucun document pour le moment. Et nous voyons qu'ici, nous pourrions faire une demande de prix, une commande, des bons de réception, des bons de retour, des factures, des avoirs, etc. Donc, pour ajouter une commande, nous allons aller, comme d'habitude, sur l'onglet « Ajouter » et cliquer sur « Commande ». Alors, premier élément à faire, c'est de déterminer à quelle date nous allons passer cette commande. Alors, dans l'exercice que je propose, nous sommes le 16 janvier 2012, donc il suffit d'aller au 16 janvier 2012. Et la date de réception, c'est 8 jours après, c'est-à-dire le 24. L'autre élément important, c'est d'indiquer quel est le tiers, c'est-à-dire quel est notre fournisseur. Donc je clique ici sur le menu déroulant et je vais faire une commande à la biscuiterie de Pont-l'Abbé. L'intérêt d'avoir sélectionné le fournisseur, c'est que le logiciel va nous redonner l'ensemble des informations concernant ce fournisseur avec, vous le voyez ici, le mode de règlement. Alors, maintenant, il nous reste à passer la commande de nos produits. Donc, je vais cliquer sur « Article ». Alors, le problème ici, c'est que nous allons avoir à l'écran les 162 articles, ce qui est un petit peu long. Donc, l'idéal, c'est d'avoir en tête les codes de commande. Par exemple, on veut commander les palais bretons, donc on va commander « Palbreux ». Donc, je valide. Voilà, il m'affiche l'ensemble des informations concernant le palais breton, le prix d'achat, la TVA. Alors, vous avez vu que en bas figure la remise accordée par ce fournisseur sur l'ensemble des produits. Donc, il me reste tout simplement à indiquer la quantité. Ici, nous aurons une quantité de 36. Donc, voilà. Et je passe à la ligne suivante. Vous voyez, ça va assez vite. Je fais le deuxième. Voilà. J'en veux aussi 36. Je passe au troisième. J'indique le code. Ce sont les crêpes. Donc là aussi, j'en veux 36. Je passe au produit suivant, et qui sont les madeleines. Voilà. J'en veux ici que 24. Produit suivant, ce sont les gâteaux bretons. Là aussi, j'en veux 24. Et je termine avec le produit suivant, le dernier produit, qui sont les Queen Amman. Voilà, et là aussi, j'en veux 24. Donc vous avez vu, ça va assez vite pour remplir la commande. Alors si, par exemple, il y avait une remise spécifique sur un produit, je cliquerai dans la colonne remise, dans la ligne du produit, et j'indiquerai sa remise. Bon, étant donné que là, je n'ai pas grand-chose d'indication, pas plus, donc je vais passer à la suite. Alors, regardons un petit peu. Ici, on a un onglet récapitulatif qui me remet le brut hors taxe, le taux de remise, le transport, il n'y en avait pas, l'escompte, etc. Vous voyez que c'est un petit résumé du bas de facture. Après, nous avons les éléments. La facturation va partir de l'entreprise qui est donc la biscuiterie de Pont-l'Abbé. Livraison, même chose. C'est la biscuiterie de Pont-l'Abbé. Complément à compte, il n'y a pas eu. Donc à partir de là, mon travail va consister tout simplement à enregistrer et fermer. Et vous voyez que dans ma liste de documents, la facture apparaît. Enfin, la commande apparaît.
Voilà. Alors maintenant, voyons comment faire pour l'imprimer cette commande. Alors pour l'imprimer, on va revenir au menu principal. Donc on va retourner dans Achat et vous voyez qu'on a notre module d'impression, hein, document d'achat. C'est une commande. Il y a d'autres façons hein, de procéder à l'impression, mais on va prendre celle-là. Maintenant, je vais indiquer le numéro. Si je ne le connais pas, je prends mon menu déroulant, et là, bien entendu, il n'y a pas d'autre possibilité, on n'a qu'une commande. Et je vais cliquer sur Aperçu. Voilà, donc il charge l'aperçu. Alors, bien entendu, hein, il utilise un modèle de présentation, et donc vous voyez hein, la commande de Ion Equitable avec ses informations, la biscuiterie qui est notre fournisseur. On y retrouve le numéro de la commande, les dates, date de réception prévue, notre numéro, enfin leur numéro intracom, le nôtre, il doit être un peu plus bas en pied de facture. Vous voyez, ici, nos informations. Si je regarde le détail, on a bien l'ensemble de nos produits commandés, total hors taxe. Voilà. Alors, l'intérêt ici, hein, c'est une commande, donc ce n'est pas une facture, hein, c'est que l'on pourrait modifier le modèle. Là, on voit que la remise n'apparaît pas. Hein, elle a été directement calculée. Donc, si on veut que la remise apparaisse, il faut prendre un autre modèle, hein, par exemple, commande avec remise. Et là, il va présenter le bon de commande, mais en intégrant, vous voyez, ça n'a pas vraiment changé, mais en intégrant, ici, vous voyez, la remise de 10%. Ce qui est peut-être plus facile après pour pointer avec la facture. Donc, il nous restera à l'imprimer, et puis à passer à l'étape de la réception. Donc, moi, je quitte, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la réception et le transfert de la réception en facture hein, de cette livraison. Au revoir, à bientôt.